et les Monards. C'est la première fois, c'est la première fois que j'assiste à cette édition et j'aimerais vraiment découvrir ce qui veut dire qui est à ton Djaba. Moi aussi, je ne sais rien. C'est ma première fois d'être au village. C'est un jour où les Bahams font le bilan et pensent à l'avenir. Le Lila Tatum Djaba symbolise le jour où le roi Kamdem a partagé du légume, les semences du légume à son peuple. Si on fait référence à Tatum Djaba qui était l'un des grands bâtisseurs, sinon le plus grand bâtisseur des chefs Baham, le Lila Tatum Djaba devenant dit justement ce jour-là où on se retrouve tous au village pour célébrer son nom. Oui, le Lila Tatum Djaba, c'est... Bon, part du fait qu'à un moment donné, il y a eu une disette. Et notre chef est parti très loin. Il est revenu avec les semences des légumes. Et c'est ça qu'on appelle Tatum Djaba. Et Lila, ça veut dire que commémoration de la journée de ce retour avec ces semences-là. C'est ça. Ça, on connaît. Pardon ? On ne connaît pas, je ne connais pas. Vous êtes Baham quand même ? Nous sommes Baham, oui. Nous sommes Baham, mais moi, oui. Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas ce que cela veut dire. Franchement. Ok. Et vous ? Je suis aussi Baham. Et Lila Tatum Djaba, c'est un festival. Oui. Du... Ce qu'on fait au village. Produire à Baham, tel est le credo du Lila Tatum Djaba, sympathique festival cher au peuple Baham. Festival dont la signification échappe d'ailleurs, vous avez dû le constater, à bien de jeunes du village. Nous sommes à la cité verte de Yaoundé et précisément en face du foyer socio-culturel de la communauté Baham locale pour une édition de Cameroun Vision qui, vous vous en doutez bien, consacre ce jour le festival Lila Tatum Djaba. Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Cameroun Vision. L'histoire de chaque peuple, et on le sait, riche d'événements, de légendes, d'épisodes heureux et malheureux, de périodes fastes et de celles de disette. C'est justement une période de disette qui permit à un des souverains, roi de la dynastie Baham, de rentrer dans l'histoire. Lui qui avait pu trouver la bonne formule pour éviter à son peuple une famine qui pourtant arrivait à pas de géant. D'où son surnom, Tatum Djaba, une expression qui désormais est célébrée par toute la communauté Baham, réunie autour de ses valeurs ancestrales et traditionnelles. L'édition 2013, deuxième du genre du festival Tatum Djaba, sera donc notre unique destination pour cet autre numéro de Cameroun Vision, et c'est à partir du complexe scolaire international La Gaîté, une création de Joseph et Justine Conchou, fils et fille du village de Baham, que nous allons prendre de suite la direction de ce sympathique village établi dans la partie ouest du Cameroun pour en savoir davantage sur le Lila Tatum Djaba. Un reportage que signe Jean-Vincent Tienehomb. Située à seulement une vingtaine de kilomètres de Bafoussam, la capitale régionale de l'ouest du Cameroun, le royaume de Baham compte de 50 à 60 000 habitants, y compris la diaspora, appartenant à 16 villages ou communautés. C'est la ville des rochers sacrés de Fauveux. Le terme Baham lui-même est une déformation de Pahom, venant de l'expression Pahom Modia, qui signifie littéralement les gens qui enfermèrent un homme dans une case sans porte. En communion avec ses pères, le peuple Baham a institué le festival Lila Tatum Djaba, posant ainsi un acte historique qui devrait servir pour les générations présentes et futures de ciment, d'unité, de concorde, ainsi que d'étincelle pour le jaillissement de l'esprit de générosité et de sacrifice
qui animait le roi Kamdem II, fils de Gomjo et de Kwokam. Dixième souverain de la dynastie actuelle, il régna de 1870 environ à 1928. L'histoire raconte que pour juguler une disette qui faillit décimer la population, il distribua des semences de Jap, variété de légumes importés par le roi du Mont Coupé, un lieu mythique et dont l'extraordinaire prolifération montra son adaptation au sol et au climat local. Le peuple sauvé de la disette fit du roi Kamdem Gomjo une figure de légende et le surnomma Tatom Jap, que l'on peut traduire littéralement par « père de la semence de Jap ». S'il y a une désignation sous laquelle le peuple Baham se reconnaît unanimement depuis le règne du roi Kamdem Gomjo, c'est celle des enfants de Tatom Jap, ou encore Duagofa Tatom Jap. Le Festival des Arts et de la Culture Baham porte ainsi le nom de Liala Tatom Jap, en hommage à ce roi humaniste et conquérant qui voulait son peuple fort, uni et prospère. Dans le but de rassembler toutes les composantes de sa communauté autour d'un même et unique idéal culturel, Sa Majesté Pokam Max II, Fodé Baham, a institué un festival culturel dénommé Liala Tatom Jap, dont la première édition s'est tenue en 2001. Ce festival est l'occasion pour le peuple Baham d'exprimer diverses facettes de ses traditions et de montrer sa créativité en matière artistique et culturelle. L'édition 2013 a eu lieu sur l'esplanade du Palais Royal du 14 au 16 novembre autour du thème « Produire à Baham ». L'homme doit logiquement manger ce qu'il produit et produire ce qu'il mange. Il s'agit de dire au Baham qu'il est bien de produire à Baham pour manger à Baham. Et on essaie d'attirer l'attention de quelques investisseurs industriels de s'installer à Baham, installer des usines qui seraient à ce moment capables de créer pas mal d'emplois, pas mal de produits capables d'être vendus un tout petit peu ailleurs. Donc, c'est développer Baham, si vous voulez. Liala Tatom Jap permet de mettre en évidence les richesses culturelles de Baham, rassembler les Bahams autour de ce qu'ils ont en commun, contribuer par les spécificités de la culture Baham à l'enrichissement et au rayonnement de la culture nationale et procéder au ressourcement général de ses fils et filles. Le temple de la culture s'annonce pour le parti. Ah!
sera plutôt dans le cadre global même du développement socio-économique. Lors des tables rondes sur les enjeux de l'avenir socio-économique de Baham, il a été recommandé d'accorder une place de choix à la production endogène des richesses. J'ai dit que dans le plan stratégique qui était le dernier point, il fallait enraciner une culture de l'inclusion par l'innovation. C'est-à-dire que les jeunes qui vont à l'école à Baham doivent avoir une culture critique. Et ça, ça peut se mettre en place. La municipalité a promis d'étudier en urgence la création d'une zone industrielle pour accueillir les unités de production qui souhaiteraient s'installer à Baham. Oui, ben disons, on y a pensé. C'est la raison pour laquelle c'est apparu comme l'un des thèmes de la conférence et tout. Dans les 5 ans qui sont à venir, on entend s'entourer des industriels Baham, puisqu'il y en a, qui peuvent d'une manière ou d'une autre déporter certaines usines au niveau des Baham, qui puissent nous générer des emplois, qui puissent favoriser l'agriculture, l'élevage et tout. Je crois que en se mettant ensemble, on devrait pouvoir faire de très grandes choses, puisque nous avions les moyens, beaucoup de moyens humains dans ce sens-là. Okay. Alléluia. Amen. Des soirées théâtrales et de concours linguistiques au coin du feu et des projections cinématographiques ont occupé les 3 journées du festival de Baham. Les soirées froides de Baham ont été également réchauffées par de nombreuses prestations d'artistes du terroir et étrangers à la contrée. Yeah.
Une foire industrielle, commerciale et agro-pastorale, ainsi que des expositions d'œuvres littéraires, artisanales, scientifiques et techniques, s'est déroulée à l'esplanade de la chefferie pendant la durée du festival. Il faut bien dire que les premières journées de ce festival n'auront pas été de tout repos, au vu de la densité, mais surtout de la richesse du programme. Un programme sur lequel on reviendra tout à l'heure, dans le but de vivre son apothéose. Juste le temps de préciser que nous sommes à présent en plein centre-ville de Yaoundé, et précisément en face de l'immeuble Intech. Intech qui est tout simplement l'un des leaders du secteur de l'informatique au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, et dont est fondateur un certain Isidore Teguia Kamdem, actuel maire de Baham. Baham justement, où on retourne en son et en image dans l'optique de vivre la dernière journée des festivités. Un reportage que signe Gustave Camois. Bertin Fotso, aux côtés du vétéran et légendaire Jean-Vincent Chénéum, l'une des fiertés de la contrée Baham. Dernier jour du festival, Liela Tatom Jap va entrer en gare. Dès qu'on a Liela Tatom Jap, Pierre Petit Bafia, à Gangon Topi, à Gazali, à la deuxième édition. Mopili, j'ai une première édition, il y a la deuxième édition. Pierre Petit Bafia. Baham s'est mis sur son 31 pour accueillir la dizaine de souverains venus de chefferies voisines pour assister à l'événement. Au moment de rejoindre ses invités de marque, le Fopahom, Sa Majesté Kammax II, promoteur de cet événement historique,
Ce livre, préalablement, a eu une cérémonie brève, mais symbolique. Ce rituel reconstitue la distribution des semences de la légumineuse Ntomja par le roi Kamdem Gomjo au peuple Bara. Dans cette scène riche en couleurs et pleine d'émotions, le roi Kamdem est ici représenté par son descendant, le feu Pahampwa Kammax II, entouré de sa garde, les Makwengo, et accueilli par les reines-mères. Alors que le décor est planté, les autorités administratives, avec à leur tête le représentant du ministre des Arts et de la Culture, le secrétaire général du ministère, font leur entrée au lieu des cérémonies. L'hymne national est exécuté, donnant le coup d'envoi de la phase finale des festivités. Dans le contexte actuel de la mondialisation, où les villes, plus que les États... Le maire de Baham, qui accueille les invités, insiste sur la nécessité d'intégrer la dimension culturelle dans les stratégies de développement de nos sociétés. Comme je l'ai dit dans mon mot, qui apparaît dans la plaquette et tout. La culture, c'est une richesse pour notre population qui est restée longtemps en marge d'un certain nombre de choses. Il est question pour nous de valoriser cet état des choses, de mettre en avant-plan pour tirer le maximum du profit qu'on peut en faire. Les Bahamas ont voulu mettre en relief deux symboles. En premier, celui d'un souverain attentif aux problèmes de son peuple. Le président du comité d'organisation du festival, Augustin Simo, estime que cette manifestation de pérennisation du patrimoine culturel est aussi un forum d'idées en vue de projeter vers l'avenir la contribution de Baham au bien-être des populations locales, régionales et nationales. Pour sa part, le faux Baham lance un appel d'unité au Baham. Oui, peuple Baham, du haut de cette tribune et devant le monde et devant Dieu de nos ancêtres,
je lance un vibrant appel à tous les Bahamas. Partout où vous êtes et quel que soit ce que vous faites, restez des Bahamas pur sang. C'est-à-dire des hommes et des femmes de parole. Des Bahamas travailleurs sous la pluie et sous le soleil. Des Bahamas pur vigilance de toutes les instances pour toujours être parmi les meilleurs, quel que soit le métier. Et surtout des Bahamas respectueux de leur culture ancestrale, respectueux de l'ordre établi en commençant par les lois Guinness. La modernité ne doit pas dénaturer notre culture et la mondialisation ne saurait nous faire oublier notre département, notre arrondissement, notre quartier, notre concession. Les successeurs qui abandonnent les concessions sont en porte à faux avec notre culture et ne contribuent pas au développement harmonieux de notre pays. Le représentant du ministre des Arts et de la Culture souligne quant à lui que Lielata Tonjap est la preuve d'un attachement aux valeurs ancestrales profondes en plus de l'engagement à les insérer dans la modernité. Je ne suis pas surpris que le peuple Baham prouve une fois de plus qu'il est à la hauteur et que ce festival qui a commencé et qui au fur et à mesure du temps prendra sûrement de l'envergure n'est qu'à sa deuxième édition. Sa Majesté nous a dit qu'en 2015 nous serons déjà au niveau de la troisième édition et tout ce qui se passe et que nous avons vu est extraordinaire. Donc nous sommes heureux et pensons qu'il faut que le peuple Baham continue à travailler sous la houlette de leur chef traditionnel. Chacun apporte sa pierre à toute la culture nationale. Qui que ce soit qui a une culture à défendre, nous la prenons. Et le Baham ont le leur. Donc c'est leur manière d'être. Donc ça permet à l'ensemble de la culture d'être développée. C'est une pierre plus une pierre qui construit la maison. Deux impressionnants défilés riches en couleurs, avec des démonstrations chorégraphiques variées, ont retenu pendant une heure l'attention des invités. Dans un premier temps, s'effectue le défilé des confréries royales, composé des troupes guerrières et policières et des sociétés secrètes. À Baham, l'organisation sociale et politique est fondée sur la répartition des titres hiérarchisés et sur les sociétés dites secrètes, seules quelques-unes sont authentiquement secrètes, qui constituent les rouages religieux, politiques, économiques, militaires, judiciaires et culturels, contrôlant la vie sociale et limitant au besoin les éventuels abus du pouvoir du roi. C'est aussi l'ossature de tout l'édifice social et la tribune qui permet aux individus de s'exprimer et d'être partie prenante des affaires du royaume. Masques, contenants, parures, costumes, sièges, bref, divers éléments de la culture matérielle sont utilisés par les mkum, soit comme matériel rituels lors de leurs activités, soit comme des emblèmes et symboles indiquant le rang de chacun, légitimant le pouvoir et l'autorité du détenteur individuel ou collectif. Dans les royaumes du plateau Bamileke, comme ici à Baham, le pouvoir a été à l'ombre du secret et entouré de mystères et de sacrés. D'où l'aspect quelque peu terrifiant, inquiétant et religieux qu'entretiennent les puissantes sociétés secrètes. Ceci est matérialisé par des masques, des récipients, des costumes, des statues, des parures et d'autres productions plastiques, tant au niveau des formes qu'au niveau de la mise en place dramatique et spectaculaire, leur vision devant provoquer une intense émotion et frapper les imaginations lors des rites. Le défilé populaire, qui a suivi celui des confréries, a regroupé les communautés Baham des différents centres organisés par village,
les associations ainsi que les groupes de danse traditionnels. Dans la vie quotidienne, lors des danses et cérémonies, les Bahams portent une multitude de costumes et coiffures symboliques, naturelles ou de prestige, faits de différentes étoffes, dont la plus riche de sens et la plus importante est le Nzedwa, tissu décoré de dessins caractéristiques blancs sur fond bleu indigo. L'habitude veut aussi qu'au Cameroun, toute manifestation publique d'envergure fasse l'objet du tirage d'un pagne commémoratif commandé à l'usine textile locale SICA. La visite des expositions qui suit les défilés s'effectue dans une bousculade indescriptible, à la satisfaction néanmoins des exposants de produits de l'agriculture et de l'artisanat et des œuvres intellectuelles qui ont attendu ce moment avec ferveur. Ok. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour. Une mention spéciale est accordée au stand d'une exposition photo de Baham, l'endroit le plus couru pendant tout le festival. Exposition panoramique du photographe professionnel Jean-Pierre Kepseux, qui a montré les lieux sacrés de Baham, le processus de fabrication du tissu batik, la vie quotidienne, en dévoilant les charmes du royaume.
l'Ouest Cameroun et le Nord. Parce que le Dieu doit pourvoir, en fait, c'est teint au Nord. Les Bamileke ne savent pas teindre. Parce que le tissu bleu vient du Nord. Bah oui. Et le tissu qui fabrique. Voilà, lui, les dessins. Le dessin. On voilà. Envoie au Nord pour la teinture. Voilà, voilà, voilà. Un lien qui date de très longtemps. Voilà. Voilà. Tu courais, Blanc. Ah, mais c'est ça. De ce côté, on n'a pas de temps. On n'a plus de temps. Pour se restaurer et préparer la danse royale Tso, qui va clôturer la journée, les invités se retrouvent au palais royal et les langues se délient pour commenter les événements des dernières heures. Je constate que tout le peuple Baham est sorti. La fête, elle a été bien organisée, c'est une réussite totale. Nous apprécions cette grande fête, ce grand festival organisé par le peuple Baham. Je pense que ce peuple est en train de nous montrer comment nous devons revaloriser notre culture. Et nous ne pouvons que féliciter le peuple Baham pour cet grand événement. Pour moi, je pense que c'est un très grand festival. Et c'est des œuvres vraiment culturelles à pérenniser. Vous savez très bien que nos cultures a été toujours, à un moment donné, nous sommes beaucoup contentés au développement social au point d'oublier le développement culturel. Donc quand le peuple Baham est en train de réveiller sa culture, il revient à nous autres de réfléchir et de penser aussi à faire pareil. Et je pense que c'est une très bonne chose, c'est une façon de ramener le peuple dans son terroir. Et qui dit bien, qui abandonne ses racines et un peuple acculturé. Vous savez, la culture, ça occupe une place de choix dans nos traditions. En fait, le peuple Bamileke se ressource de sa culture. Donc il est évident qu'à une cérémonie comme celle-là, comme celle-ci que nous vivons aujourd'hui, ça nous permet de revenir aux sources et de mettre un peu de la terre sur nos racines. Bien, dans un premier temps, je voudrais dire que le bilan jusqu'à présent est pour ma part très positif. Positif pourquoi ? Parce que c'est une fête que nous avons préparée depuis bientôt 12 ans. Au jour d'aujourd'hui, on peut se réjouir du fait que les attentes sont là. Chacun a vu la capacité et la force des Bahamas quand il faut lutter pour le peuple Baham. Et je suis entièrement satisfait de ce que tout à l'heure, il y aura la grande danse des Baham, de Tso, qui est une danse royale, qui est une danse de dignité. Le Tse, danse royale, qui justement dans un court instant viendra sanctionner l'apothéose de cette deuxième édition du festival Lilata Tomjap. C'est à partir de Bastos et précisément du supermarché Dove, une matérialisation du rêve d'un autre digne fils du village Baham à la personne de Philippe Tagne Nubissi, que nous allons voir et en savoir sur cette danse ésotérique qui ne s'exécute qu'à des occasions exceptionnelles. Moteur. Dans la région Bamileke, les danses sont à quelques nuances près identiques, autant dans leur intitulé que dans leur signification. La danse Tso, qui va conclure le festival Lilata Tomjap, est considérée comme la danse suprême. C'est le clou de toutes les danses. Celle de ce jour est d'autant plus spéciale qu'elle va être exécutée par trois rois, le roi Baham et les rois de Bayangam et de Bawang, les ancêtres de ces derniers venant de Baham. We'll be right back.
Le chef Baham va sonner le tocsin de départ en donnant ainsi l'ordre de jouer à des musiciens invisibles dissimulés derrière un paravent recouvert de tzedouap. Un bon nombre d'instruments de musique appartenant aux rois, aux notables et aux sociétés secrètes jouent un rôle liturgique accompagnant ou rythmant les chants, danses et processions. Certains de ces objets, tambours, cloches, etc., revêtant un caractère sacré, ont été sanctifiés par des sacrifices et des pratiques magiques. Dans ce cas, les regarder est parfois interdit et dangereux, surtout au moment où ils émettent des sons. Chacun des danseurs célèbre son nom personnel ou son propre prestige. Les danseurs sont outrancièrement masqués. Le poids de tout leur accoutrement se chiffre en dizaines de kilogrammes et leur prix en millions de francs CFA selon le prestige de chacun. Pendant une trentaine de minutes, les rois, coiffés de ces immenses masques, vont dépenser beaucoup d'énergie, donnant une note dynamique au dernier moment du Lielata Tomjab 2013 à Baham. C'est même la guerre.
C'est même la réalité, les gens exagèrent. On n'a pas de bonnes images. Tout le monde avant tout le monde va. Alors que les apparents, on les joue. Nous avons assisté, après plusieurs années de la première édition, à une deuxième édition qui est très, très riche en contributions, mais aussi en nombre de participants. Et aussi bien les ateliers que les différents discours de clôture ont montré combien de fois il était vraiment temps d'organiser ce festival. C'était une rencontre culturelle. C'est une occasion de brassage culturel, de rencontre de tous les fils et filles Baham et de tous les invités. Et je tiens à adresser mes félicitations au chef supérieur Baham d'avoir organisé ce festival. Et j'adresse aussi mes félicitations à tous les Baham, les élites et les notables, qui ont apporté leur appui pour que la bonne réussite de ce festival. Dieu a été dans tout ce que nous avons fait. De lier la Tatom Diab, pour moi, c'est une réussite. Une réussite parce que, au terme d'un tel événement, pour le qualifier, on voit simplement la population et ça témoigne tout simplement que c'est une réussite. J'ai tellement aimé, c'est ma première fois de vivre ça en tant que fille Baham. Je ne pourrais jamais imaginer que tel festival peut se passer dans un autre village que Baham. Je suis très heureuse. Je suis émue, comblée par la culture, l'événement en gros. Et surtout par le côté agro-pastoral. J'étais bluffée carrément par le volume de la culture, les ignames, les pommes à la taille d'un garçon de 5 ans. Le peuple Baham s'est renoué avec son patrimoine le plus cher, son repère dans le temps et dans l'espace qui constitue la toile de fond de sa précieuse identité. Il remporte une victoire qui devrait lui ouvrir des portes de succès dans d'autres domaines du vaste chantier de la construction nationale. Encore faut-il que le peuple Baham sache capitaliser les retombées positives de Liela Tatom Diab, dont la prochaine édition est attendue en 2015. Comme l'a clôturé l'édition de 2013 aujourd'hui,
quand l'édition de 2000 commence à partir de ce soir. Ainsi est donc allée, en son et en images, la deuxième édition du festival Lielata Tomjap, festival cher au peuple Baham. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous remercions parallèlement tous ceux et celles qui au quotidien nous encouragent au travers de quelques coups de fil, de quelques sympathiques emails. Mais nous vous remercions aussi, vous qui avez trouvé du temps de nous regarder pour cette édition qui a été consacrée exclusivement à Baham. Merci d'avoir été des nôtres et merci de nous revenir dans le prochain numéro. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et surtout, chaque jour est une vie, car rien ne vaut la vie.